On pense encore à Félix Faboyi parce qu'il a marqué notre époque. Et il continue de marquer cette époque-là par tout ce qu'il a apporté comme contribution à notre pays. Le président Faboyi a été un homme de paix, un homme de progrès, un homme de développement, un homme qui a tout donné à notre pays. Et nous avons, nous, qui sommes des fidèles et des disciples de son idéologie, l'idéologie de paix et de dialogue, nous avons le devoir de continuer et d'essayer de marcher sur ces traces. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui aux côtés du président Tidiane Thiam. On parle de Félix Houphouët-Boigny et Mgr Touahbi l'a dit tout à l'heure, on parle de lui au présent. Nous devons nous faire présent à travers ses propos. Voyez-vous, je continue de le dire comme ce que le Monseigneur a dit. Il y a des époques dans le monde, dans l'existence de l'humanité, où Dieu fait descendre sur la terre des personnes uniques, des personnes aptes à diriger leur vie, leur nation. Et le président Félix Houphouët-Boigny faisait partie de ces personnes-là. Et nous sommes très heureux, nous, peuple ivoirien, de faire partir de son peuple, de ses enfants. Et ça a été un moment tout à l'heure, un moment riche en émotions, mais surtout riche en joie. Nous avons tous suivi, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, la dernière intervention de l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Et on pense que Houphouët-Boigny n'est pas encore mort. Parce que nous vivons au rythme de sa philosophie, au rythme de ses conseils, quand il disait que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. On retient de l'homme qu'il a été un homme de paix, qu'il a été celui qui a bâti cette nation, qui a donné ses valeurs. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être, oui, sur le même chemin qu'a tracé ce premier président. Enseigner la paix, enseigner l'amour, enseigner l'unité pour que la Côte d'Ivoire soit un pays fort et un pays exemplaire partout dans le monde. Le président Houphouët-Boigny a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire parce qu'il a été un homme de dialogue, un homme de paix, un homme de réconciliation, mais surtout, il a œuvré à consolider l'amour, la cohésion, l'entente et l'union. Et un tel homme, comme a dit Monsieur Alexis, un homme ne peut pas mourir parce qu'il a fait du bien. Et comme dit le livre de l'Apocalypse, désormais, leurs œuvres bonnes les devancent. Vous voyez un pays qui était dans la forêt. Il n'y avait même pas d'infrastructure, il n'y avait rien, ce n'était même pas une ville. C'était le dernier des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est devenu le premier en l'espace de 10 ans, après l'indépendance, après le miracle ivoirien. Dans nos cerveaux d'enfants, moi je suis un bénéficiaire du président Houphouët-Boigny. Je suis une élève de Sainte-Marie, comme on dit, produit fini, de la 6e à la terminale. Et c'est nous qui avons inauguré le lycée Sainte-Marie de Cocody. En venant, on était en 6e. À Djamé, nous sommes venus en 5e à Cocody et nous avons terminé notre scolarité jusqu'en terminale. J'ai eu le bac. J'ai fait médecine. Le président Houphouët-Boigny m'a donné une bourse
pour mon année sabbatique en France pendant 2 ans. Et grâce à cette bourse, grâce à cette année sabbatique, je suis devenu professeur agrégé de médecine. Un tel homme, généreux, toujours tourné vers autrui, service pour les autres, jamais pour lui. Il construit des grandes infrastructures comme la basilique, comme l'hôtel président. Ce n'est pas un palais, c'est pour lui. On ne peut jamais l'oublier. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir dans son histoire un jalon, une étape comme président Fouquet. C'est la même manière que les États-Unis parlent de George Washington et les Français, dans certaines mesures, parlent du général de Gaulle. Donc, il a façonné ce pays, mais surtout, il a donné des héritages, un héritage impérissable, qui est la paix, qui est la recherche de la paix par le dialogue, toujours le dialogue, et également l'excellence du travail. Le président Fouquet a une grande ambition pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a posé ses jalons et il nous appartient aux autres générations, c'est ses successeurs, d'abord le président Conan Bédié et tous les autres qui ont succédé, pour pouvoir continuer son œuvre. Et je répète encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est grâce aux fondamentaux solides que le président Fouquet a posés que la Côte d'Ivoire est debout aujourd'hui. Nous avons pu traverser des crises que nous avons connues sans qu'on puisse disparaître. Donc, pour toutes ces raisons, nous devons la reconnaissance au président Houphouët-Boigny et nous devons venir. Et moi, c'est le sens de ma présence ici à cette messe solennelle de Souhaitons. Thank you.